Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, on a déménagé. Donc là, dans cette vidéo, ça va être un petit haul chain de ce que j'ai repris. Et un peu d'organisation pour la salle de bain. Parce que je vous avoue que j'ai déjà fait un petit rangement, mais je le trouve vraiment pas ouf. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai pris sur chain. Bon déjà, ça fait longtemps que je les voyais, c'est ces gourdes-là, vous savez, avec les heures et tout, vous devez boire dedans. Et à part la paille, on va dire, pour boire, qui est un peu en plastoc, en silicone, le restant, je dirais que ça va. Par contre, le fond, genre là, ce qui reste, la paille ne va pas jusqu'au fond. Donc en fait, j'arrive pas à boire. Vous savez pas, des trucs comme ça, pour faire des petits skis, des glaces, que j'ai même pas vu en fait. Je l'ai vu quand je l'ai reçu. C'est typique, c'est Hello Kitty. J'ai commandé du coup, bon, c'est séparé, mais un nouveau stylet comme ça. Et du coup, j'ai la boîte. Les deux embouts là, j'ai dû mettre le téléphone directement. Et ça, c'était des embouts que j'avais déjà acheté. Et franchement, j'ai testé le stylet. Il va super bien. Et je crois que je l'ai payé dans les 7 ou 8 euros. J'en avais acheté déjà un chez Action. Le tout premier qu'ils ont sorti à Action. Il y avait rayé mon écran et tout. Je sais que maintenant ils en ont ressorti un avec les mêmes embouts. Comme ça. Vous voyez? Et ça en fait ça n'abîme pas du tout. C'est beaucoup mieux je trouve. Et franchement il va super bien. J'ai pris ça. Alors ça vous avez peut-être vu déjà passé. Ça s'ouvre en deux comme ça. Et là vous avez un petit trou pour remplir de l'eau. J'ai souvent les yeux gonflés avec mes allergies. Donc en fait j'ai pris ça. Pour essayer le matin de décongestionner un petit peu les yeux, c'est-à-dire de dégonfler le maximum. J'ai pris ça. Là, vous pouvez mettre soit au froid, il me semble, soit au chaud. Ensuite, n'ayant pas d'argent à dépenser pour mettre dans une crème de ce style, j'ai acheté le pot comme ça et je vais mettre ma propre crème dedans. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Après, vous vissez simplement. Après, petit cache au-dessus. Après, j'ai pris ça. Je sais pas si ça a un nom, franchement. Mais je vais vous montrer, vous allez capter direct. Des coups comme ça. Hop. Si j'arrive à le sortir. Je pense que vous avez deviné. Ensuite, j'ai pris des petites pinces. Du coup, là, j'en ai déjà deux en papillon comme ça. C'est vraiment une imitation un peu cristal, mais en fait, c'est vraiment du pur plastique. En ce moment, je vois beaucoup de coiffures avec des bandeaux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc là, j'en ai pris deux roses. Comme ça. J'en ai pris un blanc et un beige. Et là, j'en ai pris un noir et un marron. Vous allez voir kaki, mais il est marron. Les dernières pinces, du coup. J'avais déjà une pince dans ce style, mais vraiment les grosses pinces. Vous avez déjà sûrement dû les voir. Mais du coup, là, j'ai racheté les mêmes. Mais en plus petit et en plein de couleurs. Ça va être nickel pour l'été. Et après, j'ai pris les mêmes. Mais encore plus petits. Comme ça. Elles sont magnifiques. Il y a du rose. Là, il y a du vert d'eau un peu. Du vert normal. Du bleu. Violet. Du orange et du parme. Et du jaune. Bon, du coup, maintenant que je vous ai tout montré, je vais vous montrer un peu le rangement que j'avais fait déjà de base. Et ensuite, je vais vous dire un peu ce que je veux faire. Voilà, du coup, j'ai les deux bouches, à monsieur les miens. Bon, ça, c'est encore très intéressant. Et là, de base, j'ai toute la skincare. Ok. Sauf que c'est un peu le carnage. Là, c'est pareil, c'est reste en skincare avec les petits soucis, etc. Là, c'est tous les bandeaux. Il y a même une montre qui se balade. Là, c'est tous les bandeaux, les cotons réutilisables, etc. Là, il y a l'écran en dessous. Donc ça. Bon, en dessous, c'est de la coiffure, donc c'est pas très, très intéressant. Et ici, il y a tout ce qui est pour les cheveux. Le truc, c'est que là, pour l'instant, j'ai mes pinces et mes chouchous qui sont mélangés. Et ça va vraiment pas, en vrai. Là, du coup, pour l'instant, dans ce panier-là, j'ai mes chouchous et mes pinces qui sont tous mélangés et je vous avoue un peu que ça me saoule parce que quand je mets une pince
je la trouve pas, et quand je veux un chouchou spécifique, je le trouve pas non plus. Donc j'ai envie de faire deux boîtes différentes, mais vraiment une pour les chouchous, une pour les pinces. Enfin, après les pinces, même je mets toutes les pinces ensemble, genre celle-là, celle-là, je vais mettre ensemble, vous voyez. C'est juste que je vais faire une catégorie pinces et une catégorie chouchou. Le truc, c'est que je sais pas du tout dans quoi les mettre. Ça, c'est beaucoup trop grand pour mes chouchous. J'ai trouvé un bac là qui pourrait peut-être faire l'affaire, comme ça. Du coup, j'ai tous mes chouchous. Là, mes pinces, du coup, j'ai switché, j'ai tout mis dans celui-là. Je vais voir si ça passe. Ok. Je termine de tout mettre bien dans l'armoire et je vous montre. Donc, du coup, j'ai rangé comme ça pour l'instant. Donc, là, j'ai mis les chouchous avec le donut, forcément, et les bandeaux. Là, j'ai mis toutes les pinces. J'ai rassemblé mes produits de cheveux là. Et devant, j'ai mis toutes les brosses, les peignes, etc. Ça ira pour le moment. Maintenant, je vais passer à ce meuble. C'est celui que j'ai le moins d'inspiration. Ok, bon, déjà là, c'est déjà un peu mieux. Là, du coup, j'ai tous les grands ustensiles avec les limes à ongles. Là, j'ai tous les plus petits ustensiles avec les petits rasoirs et une seule lame. Là, j'ai tout ce qui est épilation. Ça, c'est stick anti-frottement. Là-bas, c'est les petits gadgets. Maintenant, je vais ranger ça. Et ça, je ne vous l'ai pas dit, mais au fur et à mesure, je trie les produits, parce que il y a des produits que j'ai depuis une éternité qui sont bons vraiment en conservation 12 mois et qui sont utilisés depuis bien longtemps. Donc je cherche pas et ça part à la poubelle. Thank you.
Bon, du coup, j'ai un peu rangé le deuxième meuble. Je vais vous montrer. Là, j'ai juste un peu replacé. Et du coup, j'ai rempli la petite crème là que je vous ai montrée. Et d'ailleurs, ce bracelet là, j'ai commandé sur Shine aussi. Mais j'ai oublié de vous le montrer. Et je le trouve super beau. J'ai fait un peu le tri. Il y avait plein de produits qui étaient périmés ou qui étaient ouverts depuis trop longtemps. Là, du coup, ça, je vous l'avais déjà montré juste avant. Là, en vrai, j'ai juste rangé aussi. Parce que je trouvais que... Bon, ça va quand même, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire avec ce que t'as le plus apprécié dans la vidéo. Et puis, bah, moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bisous!